à tous, ici c'est Christelle Nioul, Crystal Elka, designer tricot. Ceci c'est ma chaîne YouTube où vous trouverez un podcast mais aussi des vidéos tutoriels. Et today I will talk in English. Et moi, je vais parler en français. This is Matteo, my son, but sometimes a crocheter, but also my cameraman and sometimes my model. Donc moi c'est Matteo, je suis son fils. Et je suis très régulièrement, pour cette chaîne, je suis très régulièrement son caméraman. Je suis un crocheteur, parfois, enfin, quand j'en ai envie. Et... C'est tout? It's all. Yes. So, the theme of this video in today is knitting and crochet terminology in French and in English. And sorry for my English listener. I'm not a native English speaker. I learn English on the job, so sometimes I make huge mistakes in grammar or spelling error, or I talk so weird. So, yes. Donc, elle dit que cette vidéo, la thématique de cette vidéo va être les terminologies en français et en anglais dans le tricot. Parce qu'il y a différentes terminologies. Et elle dit, excusez-moi pour les anglophones, mais ça ne vous concerne pas les francophones, parce que moi je parle très bien français. Hein. Et donc, désolé les anglophones, parce que ma maman n'est pas une anglophone, c'est pas sa langue maternelle. Du coup, elle a appris cette langue sur le tas, et donc, il se peut qu'elle fasse beaucoup d'erreurs, il se peut qu'elle fasse des erreurs de temps en temps. Yes. We live in Belgium. And you used to learn to speak a lot of languages in Belgium because we have French, Dutch and German. This is our national language. And we live also near Luxembourg, where the national languages are French, German and Luxembourgish. So it's not too weird for us to speak some two or three languages. It's maybe more weird for French people, but not for Canadians. Donc, en fait, nous, on vit en Belgique, et c'est assez naturel pour nous de parler plusieurs langues, parce que, culturellement parlant, dans notre pays, on parle plusieurs langues. On a le français, on a l'allemand, on a le néerlandais, mais on apprend l'anglais à l'école. Donc, moi, j'apprends l'anglais à l'école, donc j'apprends de manière beaucoup plus stricte. Elle a appris sur le tas, et moi j'apprends de manière beaucoup plus stricte. Mais bref. Yes, I learned Dutch in school. Voilà, et donc elle a appris le néerlandais en première langue à la place de moi anglais. Enfin bon, voilà. Et tu avais dit que... Yes, it's usual for us to speak more languages as Canadian people. Ah oui, donc pour nous c'est assez similaire que les Canadiens. Enfin, on parle aussi quotidiennement différentes langues que les Canadiens, parce que eux aussi, ils ont un pays multilinguiste. Yes, at Luxembourg. Comme le Luxembourg. Nous, on vit près du Luxembourg, là où c'est aussi... Yes. Il y a des gros mélanges de langues aussi. Yes. So, what about knitting? Today, what I have on my needles. Needles is... Les needles, c'est les aiguilles. Yes. Test de vocabulaire. It is, yes. I will put a lexicon on the comments section. Donc, elle dit que needles, c'est les aiguilles, et elle va mettre une liste de vocabulaire, un tableau de terminologie dans la description. So, here is what I am doing right now. This is a man's sweater. Sweater is... Matteo, yes. Sweater, c'est un pull. Sorry, this is Spike. Yeah. Il renverse tout, il joue des câlins. C'est pas grave. So, the sweater is... Un pull. Yes. But in English, you also have jumper. It depends on the... Jumper? Yes. In England, you can say jumper or sweater. I learned this a few weeks ago. So, this is a man's sweater, and I work on circular needles. Donc, elle dit que ceci, c'est un pull pour homme, et elle tricote ça sur des aiguilles circulaires. And I have cables. Avec des câbles.
Non. Ah non, c'est pas des câbles. Kebos, ça c'est un faux ami. C'est des torsades. Voilà. Yes, and this is a cable needles. Ça c'est une aiguille à torsade. Yes, so knitting in English it's like coding. And knitting in French is chatter than in English. Donc en fait, le tricot, les patrons en français et en anglais, c'est différent. En anglais, la manière dont c'est écrit, ça va être beaucoup plus comme du codage en informatique. Tandis qu'en français, les patrons en français vont avoir beaucoup plus de blabla, entre guillemets. Yes. So, I knit a man sweater with cables and I use this yarn. Yarn is laine. But this is not the same in French and in English, because in French you have only one word for laine, but in English is wool and yarn. Wool is from the sheep, and yarn is the this it's from sheep, alpaca, or it's maybe it's acrylic or something else. But in French we say laine, and it could be confusing because laine, it's not specially from sheep. Donc en fait, elle dit que justement pour les Français inversement, c'est la laine. Nous on dit laine pour tout ce qui est ça, enfin ce qu'elle vient de montrer. Mais en but anglais, also for, from sheep. Voilà, mais aussi pour de l'acrylique, laine, ça va être de l'acrylique, du coton, ça va être du tout. Mais en anglais, on va dire yarn pour la laine en général. Enfin, tout ce qui est for the material. Pour le matériel, voilà. Et wool, ça va être tout ce qui vient du mouton, donc d'origine animale, voilà. So, and what are you doing right now? Ah, là je suis en train de filmer une vidéo. No, yes, no. What do you have on your crochet? No, it's not crochet. The tools for crochet is not crochet. In English, is hook. Ah, yes. Mais... Bon, so, donc qu'est-ce que j'ai sur mon crochet? Donc crochet, c'est hook et pas crochet. Là aussi, c'est un faux ami. You crochet, you do crochet, but you use a hook. Voilà, d'accord. Donc on fait du crochet, mais on utilise un crochet. Donc je n'ai rien sur mon crochet, mais par contre j'ai acheté de la laine hier. Enfin, mes parents ont acheté de la laine. Your mother. Ma mère m'a acheté de la laine, avec l'argent de papa aussi. Donc on a acheté de la laine, c'est, je sais pas, snap, knitted, enfin bon, voilà. From a Belgian, not, it's not a local yarn store, it's a Haberdashery, what I said, it's a little shop where you can find tools, yarn, but also sewing things or some scarf or something else. It's Veritas in Belgium, and in I think we can find this shop in France now, and there is one in Luxembourg City. Voilà, donc en fait, là, hier, on a été acheter ça avec d'autres trucs aussi, mais on a été acheter ça chez Bakkeltiste. No, Bastelkiste is the... Bastelkiste. Yes, it's not this, it's from Veritas. Ah, Veritas, voilà, oui. C'était pas chez... Ah si, c'était chez Veritas. On a été acheter ça chez Veritas. Pas chez Bakkeltiste. On a été acheter ça chez Veritas, parce que j'avais envie d'acheter ça. Et c'est une chaîne de magasins belges qu'on retrouve aussi parfois en France. I think there is one in France. Il y en a aussi au centre de Luxembourg. Maintenant, et c'est là où on a été acheter cette laine. This is cotton, acrylic, alpaca and wool. Donc, il s'agit d'un mélange de coton, d'acrylique, d'alpaga et de laine de mouton. Yeah. So, and what plan? What do you plan to crochet with this yarn? Donc, qu'est-ce que je prévois de crocheter avec ça? Faut que je regarde le nom parce que je m'en souviens plus. I know this one because I purchased this pattern. It's Moon Sprite. Alors, from Crafty Intention. Donc il s'agit de Moon Sprite pattern. Donc Moon Sprite pattern. Voilà. De Crafty Intentions. It's like a monster.
Gnome. C'est une sorte de gnome, un monstre comme ça. Yeah, you can enfin. Put, you can show your. Je sais pas si ça se verra sur la vidéo. Mais... Yes, but I will. Yeah, it's a gnome with long arms and long legs. On voit que c'est un gnome avec des. Oui, donc on voit que c'est un gnome avec des longues jambes, des longs bras et des grandes oreilles comme ça. Ça fait penser un peu à Dobby dans Harry Potter. Yes, it's like Dobby in Harry Potter. So, you crochet. And je crochète. Knit. Et elle tricote. So, knit. To knit is... Tricoter. Knitting is... Le tricot. And knit is also a word you can find in patterns because it's a stitch and it is... La maille en droit. Knit. Yes. So, knit... Is maille en droit and pearl c'est la maille en verre ça. Yes ouais. And why do you say pearl in English? It's because it looks like a pearl. Donc pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une perle en anglais? C'est parce que quand on tricote on voit que ça ressemble à comme s'il y avait une perle dans le tricot. Yes, when you are on the wrong side. Quand on est sur le côté envers. And not on the right side. Le côté avant. Donc non pas sur le côté. Yes, when you avant. Do stockinette stitch. What is stockinette stitch? C'est du jersey en français. Ah, yes. Je ne sais pas trouver. So stockinette stitch is jersey, and garter stitch is point mousse. D'accord. Stockinette stitch. Donc c'est jersey et garter, c'est le point mousse. Okay. Yes. So we have knit, purr. But we also have something quite common in crochet and knitting. That is yarn over. Ah, ça je sais. Ça c'est un jeté. Yarn over. Yarn, la laine, au-dessus. And it is the same in knitting and in crochet. Voilà, donc c'est la même chose dans le crochet et dans le tricot. You also have some increases. Donc il y a aussi des augmentations, increases. And decreases. Et les diminutions, yes. Decreases. In English, in knitting English, there is a lot of increases, different types of increases and decreases. It's not the same in French. So as a French speaking designer, I had to create some words in French to translate this type of increases in and decreases in French. And sorry, this is my coffee machine. This is the second time. Yes, I'm a coffee drinker. Donc, elle dit, désolé, ceci est la machine à café. Ceci est l'oiseau. Et ils font beaucoup de bruit. Et c'est la deuxième fois dans une vidéo. Voilà. Et donc. So I said in English there is a lot of different type of increases and decreases. Donc elle dit que en anglais il y avait l'IA beaucoup de différents types d'augmentation et de diminution, enfin, différents noms. Et donc elle a dû inventer des mots pour traduire les diminutions et les augmentations en français parce que ça n'existait pas. Yes, you have knit two together. Il y a deux mailles en droit ensemble. Knit two together. Yes, but also SSK, slip, slip, knit. In French, it is glisser. Glisser, tricoter. So it's the opposite of knit two together. You have also central double decrease, diminution double centrée, and a lot of decreases and a lot of increases. So, here for the increases, but you also have what I have to say now. I have talked about stockinette, garter, increases, decreases, and what about crochet now? Yeah. À propos du crochet. So, ça, maintenant, c'est mon domaine. Yes. Crochet have two.
there is a French terminology, but there is a US and UK terminology. So, two types of terminology. Donc, en fait, dans le crochet, il y a deux types de terminologie, même en anglais. Donc, il y a le français et l'anglais, mais même dans l'anglais... En anglais, il y a deux types de terminologie. Les terminologies de... britanniques, les terminologies britanniques et les terminologies américaines. Yes. So, when you purchase a pattern, you have to take a look of which terminology is used in this pattern. If it's UK or US. Donc, quand vous tricotez, enfin, quand vous crochetez, vous devez faire attention à quand vous regardez votre patron, vous devez faire attention à, au type de terminologie qui est utilisé. Généralement, il y a deux versions, britannique et américaine. Parce que c'est pas la même chose du tout, même s'il y a beaucoup de ressemblances. So, you start. Ah, donc, on peut dire que y a hook, on a dit. Il y a la my serré. Yes, my serré in US is single crochet, and in UK is double crochet. Oui. Yes. Et par contre, il y a une. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Double crochet, ça veut dire aussi. No, double crochet is treble in UK, so it's a bride. Ah oui, une bride, et il y a aussi les doubles brides. Double bride, double treble in UK is triple crochet in US terms. Okay. And it's quite, I think it's also, the difference, it's right there. You have three difference, or four difference. Single crochet and double, single crochet in US is double crochet in UK. Half double crochet is half treble in UK. Double crochet is treble in UK, etc., etc. So in French, it's single crochet, my serré. Half double crochet is demi-bride. Double crochet is bride. Triple crochet is double bride. So here it is. Et il y a aussi la maille chaînette qu'on a pas dit. Yes, and it's chain. In English, and it's the same in US and UK terms. So, we finished because it's a mess. My dog is... Oh, no, yes, yes. Oh, la, 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 la. Is fed up with our chat. Oui, il est ennuyé par ce qu'on est en train de raconter. Because you are in my living room. Parce que là, on est dans le salon et ça fait beaucoup de bruit. And behind me, there is the place where I work. Your husband. And mine. And mine too. So. Donc, là derrière, on voit l'endroit là où elle tricote. Enfin, là où elle tricote. Là où elle travaille et là où mon père, donc son mari, travaille. Yes. I will speak in French now. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça change un petit peu de l'habitude et que, voilà, peut-être que j'en ferai les choses, que j'en ferai d'autres de cette, enfin, dans ce style, avec mon fils, avec ma fille, pour changer un peu l'habitude, hein, changer de lieu. Et puis voilà, donc je mettrai un lexique ici en dessous. N'hésitez pas à vous lancer dans les patrons en anglais, même si vous ne parlez pas en anglais. Il y a des phrases en anglais qui sont peut-être un peu plus compliquées, mais majoritairement, l'anglais, c'est comme du codage. C'est, vous avez K, P, etc., etc. Et c'est très, très facile à utiliser. Et n'hésitez pas à utiliser et à travailler avec des personnes qui tricotent en français, enfin qui écrivent des patrons en français et en anglais, et ainsi vous tricotez votre patron en anglais. Si vous avez besoin d'aide, vous allez voir dans la version en français parce que c'est la même chose. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Si vous voulez avoir des nouvelles de moi, parce que je vais publier en général une fois par semaine, n'hésitez pas à vous abonner et ce sera à la prochaine fois. So, you are... Moi, je dois traduire en anglais. She wishes you liked this video, and yeah, be sure if you like this video to click on the bell, to subscribe, and to follow
his content. Yes, and if you want to try to knit in French, don't hesitate to upload and to choose designer who translate their patterns in French, and you, it's a best, the best way to try to knit in French is to download the English and the French version, to knit with the French version, and you have, if you have a doubt, to take a look on the English version. See you!